Mais il va vous dire un petit mot tout à l'heure. Alors, notre nom Urvois-Tourzempa a pour origine un nom de baptême devenu nom de famille. Au XIIe siècle, un homme d'armes Urfray ou Urfroy, choisi pour arme l'Orfray comme symbole reproduisant son nom, d'où l'Orfray ou la chouette qui figure sur les armes de la famille et qui a été reproduite, je crois, en plus par ton épouse. Oui, c'est Gabrielle, son épouse qui a travaillé, je ne sais pas si Gabrielle est là. Elle n'est pas là, ouais. Elle n'est pas là, mais on peut l'applaudir parce qu'elle a réalisé ça. Alors c'est un projet qui a duré 2 ans. Les amis de Saint-Urfol aussi avaient participé dès le début, mais se sentaient un peu seuls et notre famille a donné le coup de main important. On n'était que deux. Et donc en lançant la souscription auprès de toute la famille, et nous sommes une centaine ici, qui nous sommes réunis aujourd'hui pour participer à cette inauguration. J'ai lancé la souscription et je remercie vraiment beaucoup les 65 qui ont participé financièrement pour aboutir à la réalisation de cette magnifique statue. Bon, la famille de Cosenta, Sinu, et vous tous ici qui êtes présents pour cette inauguration, c'est évident que c'est un moment important parce que Saint-Urfol, j'avais l'habitude de dire, n'est connu uniquement qu'à Bourg-Blanc. Il y a une chapelle, le tombeau. La chapelle a été construite au-dessus du tombeau de Saint-Urfol. Et c'est Saint-Hervé qui aurait découvert donc, la sépulture initiale dans la forêt d'Ouna. Donc Philippe a bien expliqué ça. Donc cette initiative, donc merci à la famille de Cosenta. Et puis nous, si vous voulez, même si on avait ouvert le compte au départ en 2011, et comme le disait François ici présent et Germaine, il n'y avait que 2 souscripteurs au départ. Et ça mettait du temps, donc sans vous, on ne serait jamais arrivé, il faut le dire. Pour être très clair. Voilà. Et ce matin, ça a été signalé, en fait, dans plusieurs réalisations artistiques, là, c'est quand même une œuvre collective. Il y a un démarrage, et puis tout d'un coup, tac, tac, il y a quelqu'un, et on trouve la solution. Et donc, voilà, nous avons trouvé la solution, et l'artiste, vraiment, je ne peux que vous féliciter de son ravissement. Non, non, c'est votre création artistique nous plaît énormément. C'est pas une copie, c'est pas une copie. Voilà, les artistes évoluent, ils ont leur magie, ils créent. C'est pas la copie fidèle, je veux dire, de la statue qui est à Saint-Urfol, mais on y trouve la ressemblance quand même, et puis surtout la position dans laquelle vous l'avez placée sur le granit, c'est magnifique. Merci. Donc moi, ce que je peux simplement dire, c'est que si vous voulez connaître un peu plus l'histoire de Saint-Urfol, c'est de venir à Bourg-Blanc. De passer également par Rivoiré, parce que Rivoiré serait le frère d'Urfol, donc et Rivanon, donc la sœur. Hein. Et puis sinon, il y a aussi l'Arnaud Arnaud, qui honore Saint-Hervé, le neveu. Voilà, c'est tout. Avant la bénédiction, on peut applaudir le sonneur. Voilà. Ça contribue à l'animation de cette journée aussi. Avant la bénédiction formelle, je vous propose que nous chantions le cantique à Saint-Urfold. Il va donner l'air, bien sûr. Et puis je vais te passer le micro. C'est toi qui le connais le mieux. Si.
d'envers à dire oui, et qu'un homme le dit, très à vos peines d'Abel, ou à Géchal, à dans les carvourelles, d'avait été quoi de procéder à la bénédiction formelle de la statue de Saint Urfol par le père Jacques Urvois de Panzempart et qui va donc procéder. Voilà, vous pourrez l'applaudir après, pas avant. Jacques, à toi. Alors que je vous explique d'abord comment nous allons procéder. Mais nous, on a vu ton menton, collé sur ton menton, là. Non, voilà. Collé. Vous savez bien que c'est pas de la magie. Donc je vais commencer par lire un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Je dirai un petit mot d'explication. On dira le Notre Père. Ça se terminera comme ça. Mais je vais bénir le temps. Alors voilà. Tu me le dis ? Donc ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes. Si je suis trop long, vous m'arrêterez. C'est quelqu'un qui s'est retiré du monde. Il s'est retiré et il a vécu ermite, c'est-à-dire tout seul, dans la forêt. Pourquoi fuir le monde? Parce que Urfol cherchait la chose unique et nécessaire. Il cherchait Dieu. Et pour devenir saint, il faut aimer comme Jésus a aimé. Les béatitudes, c'est comme un programme que Jésus lui-même a suivi. Heureux les cœurs purs, ceux qui veulent une seule chose, Dieu, le Père. Heureux ceux qui pleurent, Dieu les consolera. Heureux ceux qui ont pitié des autres. Dieu leur fera miséricorde à eux aussi. Dieu nous est donné de bénir Dieu notre Père, puisque cette image, cette statue nouvelle de Saint Urfol est proposée à notre vénération. Préparons nos cœurs à bien saisir le sens de cette célébration. Si l'Église offre les images des saints et les statues à la vénération publique, si elle nous fait contempler les traits de ceux qui ont fidèlement suivi le Christ, c'est pour nous faire aspirer au bonheur qui est le leur et apprendre d'eux le chemin qui y conduit. Les saints sont les amis du Christ et partagent sa gloire. Ils sont aussi nos frères, humains comme nous. Ils nous aiment, ils nous assistent, ils intercèdent pour nous et nous vivons avec eux la communion des saints. Dieu, source de toute grâce et de toute sainteté, regarde-nous avec bonté. Nous avons érigé cette statue de Saint Urfol et nous te prions. Puisqu'il est un ami du Christ et qu'il partage sa gloire, puisqu'il a été un témoin de la vie selon l'Évangile, qu'il soit notre intercesseur auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons dire le Notre Père. Dans la paix et dans la joie du Christ. Oui. À la Bretagne, à une certaine Bretagne que l'on craignait en voie de disparition, mais dont l'âme se remet à vibrer dans le sublime écrin de Carnoët, là où les saints d'Armorik, à l'aube du XXIe siècle, ont décidé de se donner rendez-vous pour réveiller le peuple breton. L'âme d'un pays, la notion même semble incongrue aux technocrates, énarques, sociologues et politiques de tous bords qui ne conçoivent une société et plus largement une civilisation qu'en chiffres, en courbes, en pourcentage. L'âme bretonne, c'est ce qui reste dans l'imaginaire collectif de nos 5 départements. Signé Philippe Abjan. Bravo. On peut l'applaudir.